regularly you have to update that infrastructure, okay? So somewhere between 3 to 5 years, you probably want to refresh your hardware infrastructure. And there are also modernization drivers. What I mean by that is that you want to modernize your application because they are aging and perhaps not fulfilling your customer needs anymore. So you want to innovate for your application in order to keep pace with technology. You want probably also to save on costs for your application. Once again, I mentioned if you have aging application, you may be spending more cost for maintaining this application because skills regarding aging technologies tend to be an issue to find, and people with those expertise are expensive, as we may know. And you may be also be facing compliance and security threats. So you want to ensure that your applications are compliant and secure, especially if you are in some industries like health industry, banking, and so on. You may have strict compliance requirements. So for all of this, Azure may be the home for your cloud adoption and .NET application modernization. Okay, Azure offers an end-to-end web hosting platforms with many services. Most of them are already managed by Microsoft for you. And those services are designed from the ground up with .NET in mind, okay? Many of these services, or the most common of these services, are obviously App Service and Azure SQL Database, which are optimized for your .NET workloads. Also, you have tools to help you migrate, as we will see later in this presentation. The most the well-known tool for your migration and modernization journey is Azure Migrate. Okay. So now that we have a better idea on why we would like to adopt the cloud, let's see how we can adopt the cloud. And there are many ways to adopt the cloud, which are commonly referred to the 6 R of cloud migration. So the first R is rehost. What does it mean? It means that you have workload on site, hosted in probably in VMs or physical machines, and you want to lift and shift those workloads to the cloud. So basically, what will you do? You will recreate an infrastructure comprised of virtual machines on the cloud and move these workloads from on-premise infrastructure to cloud infrastructure. The second strategy is the replatform. So you want to take advantage of the managed services. So you want to leverage platform as a service offering, or PaaS. And in this strategy, you will move your workloads to managed services like Azure SQL Database and Azure App Service. In this scenario, you will have probably some minimal changes to do to your applications in order to be able to run them on a PaaS offering. And we'll get to that a little bit later. The third strategy is the repurchase. And here you want to get rid of your infrastructure on site in favor of software as a service solution, or you will probably want to pay for a service and not having to manage
neither the application nor the infrastructure to support that application. A great example of SaaS is Office 365. Many companies moved from Office on-site to Office 365 in recent years. So before that, you'll probably have infrastructure on-site to host your Office application, maybe your Exchange server, your SharePoint servers, and so on. So by adopting a SaaS or software as a service offering, you get rid of all of that and only use the software which is hosted, managed, and provided to you as a service by an external vendor. The fourth R is refactor or re-architect. And in this scenario, we want to be more cloud native. So we want to have applications that are built and designed for the cloud. In this scenario, we leverage containers, serverless, and probably microservices architectures. So in this scenario, you may expect a full redesign of your application architectures along with a full code rewrite of these applications. Okay. The fifth R is retire. In this scenario, you probably have aging solutions or application that you already know that they will be decommissioned in the upcoming month or upcoming years. And for those applications, there is no need to migrate them or move them to the cloud. Okay, you will simply keep them on premises for the remaining lifetime. Okay. And finally, the sixth R is retain. So in this scenario, you want to keep your application on premises, even if those won't be decommissioned soon. They still have their usage in your organization, but you don't want to move them to the cloud for multiple reasons. One reason might be compliance or regulatory reason. Okay, so for this scenario, you will keep those applications and their infrastructure on site and establish secure communication with your cloud infrastructure in order for this application to be able to communicate with the cloud assets. In terms of effort, time, and cost to migrate, how does this different strategy stack up against these considerations? So obviously the cheapest one in terms of cost, effort, and time are either retain or retire. Why? Because we basically keep our application and infrastructure on site, so there is no move to the cloud for that. Okay. After that, we have the repurchase. Why it's a bit more expensive than the previous ones is that even if we get rid of all the infrastructure and all of the our applications on site, there is still an effort to be made in order to move our data to this managed solution or the SaaS on the SaaS vendor. Okay, and there is also a cost in training, because people have been accustomed over the year to use your old tools, and now they have to figure out how to use these new tools. So you have to take into account time, effort, and cost regarding training your workforce. Next, the rehost strategy, okay? Because even if it may feel at home, like
we have VMs or physical machine on site, and we are moving to virtual machine on the cloud, you have still work to do. Okay, you have one thing, you have to set up what we call your landing zone in order to be sure that your workloads, when they are moved on the cloud, are secure, are governed, and are cost optimized. Okay, and then you have obviously cost and effort to do in order to move your workloads. Okay, and also some reconfiguration efforts to be made. Next, we have the replatform strategy. And replatform, although we leverage managed services, it's still a bit more expensive than just the rehost strategy. Why? Because we are moving to different services. And as we mentioned earlier, we may expect to perform some changes to our application, even to the code of our application, in order to be able to run this workload on managed services. And finally, we have the refactor or re-architect strategy, which obviously is the most expensive in terms of cost of time and effort. Why? Because it's a complete rewrite of the solutions. Okay, so we are rewriting the solution. We are leveraging new architectures. When we are talking about modernizing our application, we'll try to obviously focus our energy on using platform as a service offering. What does it mean, platform as a service offering? For those of you who are not very familiar with that, is we want to use services that are managed by the cloud provider. For example, here, the cloud provider manages everything from networking to storage to physical server to virtualization host to operations, operating system to middleware and runtime. And we are responsible of managing the applications and their data. Okay, so this is in terms of modernization, we'll try to leverage most of these services. But by experience, we can expect to use other offering, like infrastructure as a service offering, software as a service offering, and even traditional IT offering. Why traditional IT? We mentioned earlier that probably you have a workload that you won't be moving to the cloud, either because you use the retain or retire strategy. You will also be probably using infrastructure as a service offering because you will use firewalls, virtual appliance, and so on. So those offerings are considered to be infrastructure as a service offering. Okay, and finally, you will get rid of some of your in-house application in favor of software as a service offering. Like we mentioned Office 365, but there are also other offerings, like perhaps you will get rid of your ERP, in-house ERP in favor of something like Salesforce or else. Okay. So in a modernization scenario, we try to leverage most of the time PaaS services. Okay, why? Because these services being managed by the cloud provider, Microsoft in this case, Microsoft takes care of everything from the physical infrastructure, the availability of this infrastructure, the cooling, the OS updates, and so on. And from our side, this gives us the opportunity to leverage the cloud benefits like scalability, resiliency. And using the Azure infrastructure,
we can still reuse the current skills of our teams. So probably our developers are familiar with .NET, with SQL. Our operation teams are already familiar managing IIS web servers. So all of these skills are still can still be used in an Azure scenario. Okay, and we can also integrate our current tools like Visual Studio, Azure DevOps, or GitHub. So all of these tools integrate very well with Azure. And why it's important? It's because we won't lose our productivity and developer velocity. But especially, leveraging PaaS services for modernization allow us to dedicate most of our time and resources to serving our customer. What does it mean? It means that we want to focus more on delivering business value to our customer rather than managing infrastructure for those applications. We also want to have our application to seamlessly scale to handle demand without having to provide and set up more infrastructure. Many of the PaaS services offers configuration and services that can be configured for scalings. For example, app service, the app services you may probably know and use that already, you can configure auto-scaling rules with various metrics and thresholds in order for your application to automatically scale to meet demand. Okay. And finally, we can give our teams the required agility to navigate uncertainty. What does it mean? It means that if we have to buy extra infrastructure, configure it, and set up this infrastructure each time we want to innovate or try some new thing, it can be daunting, and it can reduce the innovation pace. Okay, so by using cloud services, we can try new things, try new services, and if it doesn't answer our need or the need of our customers, we just destroy those resources, and we only paid for what we used, okay, which is a very small amount compared to the huge cost of buying new infrastructure, configure those infrastructure, manage this infrastructure, and so on. So in terms of modernization, we have many tools and many services that we will use, of course. But by experience, we noticed that we commonly use the same services over and over, and especially when we start our modernization journey. Over the time, you may probably use more services, but at the beginning, you probably use the set of services that we'll talk right now. Obviously, we use app services, web apps for hosting your web front ends and APIs. You will use SQL databases. You will use non-structured storage, like storage account for blobs, queues, files, and disk if you use VMs. Functions for ad hoc processing. The most common scenario is that you have an e-commerce website and you want to trigger the processing of someone buying a product on your site. So as soon as a customer buys a product on your site, you want to trigger a processing for that. Service bus for communication, asynchronous communication between your APIs and services. Application Insight in order to monitor the health of your applications and also the workflows, how your customer use your applications. Key vaults to secure
sensitive information like API keys, passwords, and so on. App gateway, in order to secure your application from attacks like cross-site scripting or SQL injections, and so on. And API management, if you want to provide access to your APIs to your customers or partners. Okay, so those are the services that you will commonly use when you start your modernization journey. And there is also a common architecture that we see customers using when they modernize their web application, and this is the one that you see on screen. So they use app service for their web frontend and APIs, SQL database for their databases. They use Application Insight for their application performance management. They might use either Azure Q Storage or Service Bus for processing jobs asynchronously. Functions for event processing, like order processing. We mentioned earlier that there are some processing that you won't be doing unless an event happened, like a customer purchasing an item from your catalog, so you want to trigger the order processing. And the Azure Blob Storage, for example, for hosting your the images or the pictures of your product, or even the invoices that you generated for your customers. And all of this is deployed by CI/CD pipeline, like GitHub Actions or the Azure pipeline. And of course, you have either GitHub or Azure DevOps or some other solution like Bitbucket, for example, for hosting your source code. Okay. And in terms of source code, we talk about the code of your application, but also the code of your infrastructure in order to deploy your infrastructure as needed and in an automated way to reduce chances of error or misconfiguration. So when you will start your modernization journey, there are tools that can help you. Okay, we mentioned earlier Azure Migrate. So Azure Migrate, you can see it as a hub for modernization. It's like an umbrella of tools and services in order to migrate and modernize your workloads to Azure. From a modernization perspective, the two tools that fall under the Azure Migrate umbrella that will that are of interest to us are the Azure Migrate App Service Migration Assistant, which can help assess and then migrate your web workloads to Azure App Service. And for the database, there is the Data Migration Assistant and Data Migration Service. Okay. So Data Migration Assistant will assess your on-premise database. And Data Migration Service can help you migrate the schema and data of your databases to the cloud. So let's see a quick video on how to use the Azure App Service Migration Assistant. So the Azure Migration Assistant is a tool that falls under the Azure Migrate umbrella, as we mentioned. So you can go to the Azure portal and then look for Azure Migrate. So you will create an instance of Azure Migrate. And what's an instance of Azure Migrate? It's basically a hub
for all the history of your migration workloads. And then from there, you can go to the App Service Migration Assistant. As you may see, there are two ways. If your workload of your web application is public or has a public endpoint, you can simply use the web tool. Or if your web application is not publicly accessible over the internet, you can download the Migration Assistant and you will have to install it and run it on your web server. Why on your web server? Because the tool needs to have administration access to your IIS web server in order to discover and assess and even migrate your web application to the cloud. So this is the Migration Assistant that's running, and here it discovered that we have two web applications. We selected the first one, and the assessment now is running. So we can see that we have all successes for our application. No errors, as you can see on the bottom of the screen, but a warning. Okay, and the warning is telling us basically that be careful. You are migrating a web application. You have configuration in your web config file, but once you will be running on App Service, if you have configuration at the App Service web app instance, it will override the configuration from your web config. Okay, so if you have the same configuration key on the App Service instance and in your web.config file with different value, the web app instance value will be used. So that's what the warning is telling us actually. So now that we have seen no error preventing us from migrating our web application to Azure, we're signing in to our Azure account through device signing. And here we'll select the subscription to which we'll deploy or migrate our workload, the resource group. We can either create a new or use an existing one, and provide a destination website name, okay? And select the region for that. And here you can see we can either skip the database setup or use a hybrid connection. And we'll talk about this later. So now we click on migrate and the migration phase will start. As you may see, it's a quick process, depending on the complexity of your application, but it's usually quick. And here you can see that now our application is used or is running on the cloud. You can tell from the URL of the application. Okay. So we've seen that during the migration phase, we are asked if we want to set up hybrid connection for access to the database, or if we want to skip connection to the database. If we skip the connection to the database, once our application will be migrated, it won't work, obviously, because the connection to the database will be broken. Okay, and if we want to our application to work, either we move the database to Azure or we set up a hybrid connection. So in some cases, we might probably ask yourself, should I deploy or migrate the database first or the web application first? And this might end up in a chicken or egg scenario. Actually, using a hybrid connection, we can migrate our web application first, set up a connection to the database that's still running on-premise, and then move the database
to Azure, and finally change the connection string to point to the database that's running on Azure. So in order to migrate a database, okay, we have the we are back in the Azure Migrate service on the Azure portal, and we can use one service that's called Data Migration Service. Data Migration Service will ask us first from which source server we want to move or to migrate to which target server. And here you can see we selected a SQL server running on-premise, and we want to migrate to an Azure SQL database. So here you can see we have multiple options. Either migrating the schema of the database or migrating the data of the database. And for the data, we have offline and online migration tools. So in when you migrate your database to Azure, you always start by migrating the schema first, okay? We'll talk about online and offline migration in a few minutes, but first let's migrate our schema. So we selected schema migration, and here we will we'll provide the source instance name. Okay, here's the IP address that was provided, and the credential to that database. Okay, so here Data Migration Service is trying to authenticate to the source server, and then we specify the target server. As you mentioned, you notice that we first need to create our SQL database instance. Okay, so the DMS tool can't create the instance for us, so we have to provide it first. And then we will specify which database we want to move from the source to target server. Okay, we will provide a name for this migration in order to retrieve it later in our migration history, if we want to refer to this data. And the migration of the schema started. It depends on your database or the size of your database and its complexity, but it's usually very quick. As you may see, it already completed. And now we are moving to migrating the data. And for migrating the data, we have two scenarios, online and offline data migration. What does it mean? It means if we use the offline data migration, the source server will be set up to be read-only. So no more writes will be performed on the source server during the migration of the data. Okay. So this is usually a preferred scenario, and it's also a free scenario. If you can, for example, stop your application, or you have a maintenance window for your application, so you can stop your application. Or if you have an application that only perform read access to a database, not write access to the database. So here, as you can see, this basically the same steps. So we authenticate to the source server, we authenticate to the target server, we choose the database. Okay. And here, as you can see, since we use the offline data migration, we can set the source database to read-only. So once you set the source database to read-only,
no more write can be performed on this database. And it's usually a quick scenario. So here we can select the tables from that database that we want to migrate. By default, all of them are selected. We provide the name for the migration activity, and we run the migration. And as you may see, depending on your the size of your database, it can be very quick. So here it took like 2 seconds. It was very quick. Okay. If you use the online migration, it's a bit more complicated. The online migration won't set your database to read-only, so your users can still perform transaction to the database, and the migration will happen in chunks. Okay, so it will there will be multiple chunks of migration for the database, and at some point you will have to set what we call a cutover. Okay, the cutover, that it means that, okay, from now I stop the database, the source database, I perform the last chunk of migration, and then I switch the connection string to the new point to the new database. Okay, so the online data migration scenario is more suitable for larger databases, or that you can't stop for a long time. Okay. And this completes the migration scenario. So we have migrated the web application and its database. One question that arises is, my application is developed in an older version of .NET. Can I still move it to the cloud? If you have used Azure SQL, not SQL database, but Azure App Service web app previously, you have probably noticed that .NET Framework 4.8 and .NET Core and .NET 5 and 6 are supported. Okay. So if you already use this version of .NET, you can deploy your application without any issue. If you are using other version of .NET Framework or Core, and you want to make sure that your application will still be running once migrated to Azure, you can rely on the .NET Portability Analyzer tool. This tool will analyze your .NET code and tells you which namespaces are supported for the target version of .NET, which are not, and which are partially supported. Okay, this will give you a clear overview of the amount of efforts you will have to put in order to move your application to target the new .NET version. So up to now, we used Azure Migrate as our tool to move our application to Azure. But keep in mind that Azure Migrate is only the first step, OK? So why it's only the first step? Because we used this tool to move from on-premise to the cloud. But how will you deliver new version of your application or bug fixes? You will obviously not deploy those on your on-premise version and then reuse again Azure Migrate to move this updated version to the cloud. Okay, you will want to deploy new releases or bug fixes directly to the cloud. And how you will do that is, obviously, you will write infrastructure as code for your Azure environment. Okay, so the Azure solution that you deployed, you will create an infrastructure as code script for that in order to be able to deploy it automatically and without with confidence, so there is no errors and no misconfiguration.
And you will also want to set up pipelines in order to deploy this infrastructure code and also your application code to the cloud. And once again, we mentioned, expect some changes to be made to your application. If you are running currently a web application on-premise and you are logging you are sending your logs to the Windows event log, you can do that on App Service. Okay, there is no event log on App Service, so you probably want to rewrite the logging module to target another solution. Okay, like Application Insight, for example. If you are relying on local accounts for permission to your web app, you can't use local account on App Service. You will have to use Azure AD account. And I recommend that you use managed entities. Okay, so you will have to perform some configuration changes to the application to use managed entity rather than local accounts. And there are many more code changes that you may expect to do, or scenarios for which you may expect code changes or configuration changes to your application. So now we moved our application to the cloud. The first version, we set up pipelines and we write infrastructure as code scripts to deploy new releases and bug fixes. So are we done yet? Well, not completely. Okay, we'll still have work to do. Mainly, there are four areas that you may want to consider. The first one is on-demand scaling. We mentioned earlier that the reason to leverage managed services like PaaS offering is to use the benefits of the cloud, resiliency and scalability, especially. So from a scalability standpoint, you will want to write auto-scaling rules. Okay, so consider vertical scaling and consider to write auto-scaling rules, so scaling out in order to increase the number of instances, and consider also to write scaling in rules, so in order to downscale your infrastructure when the demand or the load lowers on your infrastructure. Okay, otherwise you may be facing a spike in the demand for your application. So you will increase the number of instances and obviously pay for more instances. But if you don't write scaling in rules, there will be no way for your infrastructure to downscale once this spike in demand will fade in. Okay. Consider also automated backups, especially for your data. Your data might be either in your database, obviously, but also in your storage account. When we mentioned the common architecture for our application, we talked about using blob storage for storing, for example, invoices for your customers. You may perhaps want to backup these invoices somewhere else, okay, to keep them for a specific amount of time, depending on your organization rules or your industry compliance. You want also to enhance the security. It's always a good idea to enhance the security of your solutions, okay? And you won't probably want to have a clear and good governance of your infrastructure. From an enhanced security standpoint, you will want to use managed entity key vault to store your sensitive information, role-based access control in order to restrict access to your Azure infrastructure, App Service environment if your some of your APIs should not be accessible publicly on the internet, SQL firewall rules if you want to restrict which IPs
I have access to your SQL server, SQL admin account in order to use Azure AD accounts rather than SQL accounts for access to your database, VPN gateways, application gateways, and so on, okay? From a governance, a cloud governance standpoint, you will want to deploy a landing zone for your solution, and you have, you can see on screen an example of an enterprise scale landing zone. But if you are a smaller organization, you probably don't need or don't want to deploy such an infrastructure. Okay, there are other approaches on the enterprise scale side. One is called the wingtip architecture, okay, which is a streamed version of the enterprise scale, okay. And finally, you want to optimize and control the cost of your infrastructure on Azure, because you probably know that on Azure, you pay for what you use, okay? And there are 7 ways to optimize cost. The first is to shut down unused resources, okay? And here, be careful. You can't shut down and stop the billing for all services. One example is app service. So if you shut down your instances, the billing will continue. One way to save on costs for app services is to reduce the SKU of your app service plan during the period where the demand is very low, okay? The second way is to right-size underused resources. So if you have to have a proactive monitoring of your Azure environment in order to detect which resources are underused and use this data to downscale service plans or instances sizes to have instances that are rightly sized without compromising your service level agreement. Okay. The third way is to rely on reserve instances. So if you know that you have applications and instances that will be running for 1 or 3 years, you can apply for reserved instances and save big on costs. So you can save about 60 and perhaps more percent on the pay-as-you-go pricing. The fourth way is to take advantage of Azure Hybrid Benefits. With Azure Hybrid Benefit, you can reuse your software licenses like Windows Server and SQL Server licenses in Azure, which allow you to reduce or to save on cost. The fifth way is to use Azure Dev Test environments or subscription, and those subscription are can help you save about 50% on costs, but are intended for non-production environment. The sixth way is to set up budget and alerts for your infrastructure in order to be notified as soon as some of your resources cost you more than expected, so you can plan for a budget reallocation or budget optimization. And the final way is to explore serverless technology. Why? Because serverless technology is built on usage. So you are built only for the duration of time when your processing is running. Okay, so if you have, for example, a function that no one uses for the whole month, well, you will be charged for nothing. If the
it's only invoked once a month, and it takes about 40 or 2 minutes of running. You will only be charged for these 2 minutes of running. Okay. So let's recap. .NET application modernization allow us to focus on delivering business value to our customers rather than focusing on managing infrastructure. By using a PaaS offering, which is based on managed services, we can leverage the benefits of the cloud, like scalability, resiliency, and so on. By using the PaaS offering, so platform as a service offering, we can better optimize our cost, we can increase the agility of our teams, and we can have the right infrastructure correctly sized and at the right moment. All of this will obviously help us to unleash innovation in our organization. Keep in mind that there are tools that can help us in our modernization journey, like Azure Migrate and all the tools that fall under the Azure Migrate umbrella. But keep in mind that Azure Migrate is only the first step. Okay? One important fact also is to ensure the governance of your cloud infrastructure. We mentioned the enterprise scale diagram earlier. But by ensuring the governance of your cloud infrastructure, you can have a great visibility on the cost, on the usage, on the security, and on the compliance of your resources. And when you perform application modernization, expect to be to have to do some changes to your application, either from the code standpoint or from the configuration standpoint. And that concludes our session for today. So thank you very much for your attention. I hope that you find that valuable. I wish you a great global Azure. And I'm switching over to Maxim. Merci pour cette présentation, Tijani. Yeah, thank you so much for this presentation, Tijani. You're very welcome. Okay, let me share my screen now. Okay, now could you please confirm me if you can see my screen? Oui, yes, you can see your screen. Okay, c'est parfait. On va pouvoir passer en français parce que ma présentation sera en français. Ok, bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Maxime Coquerel, je suis Microsoft MVP sur les technologies Azure et aujourd'hui, j'ai la chance de partager avec vous une présentation sur les tests d'intrusion dans Azure. Donc, le niveau de cette présentation, c'est vraiment une introduction afin de vous familiariser avec le sujet. Donc, cette présentation a lieu dans le cadre du Global Azure 2022. J'en profite pour partager avec les personnes qui nous écoutent que
Dans le cadre de cet événement, demain, nous organisons un événement sur site à Québec. Si vous allez directement sur le Meetup de la communauté Azure Québec, on organise une journée de conférence avec un laboratoire qui va avoir lieu dans l'après-midi. Si vous êtes intéressé, vous voulez simplement assister aux conférences ou participer au laboratoire ou simplement discuter, n'hésitez pas à venir nous retrouver. On a la chance d'avoir un événement sponsorisé par deux partenaires, la société Cofomo et la société Cumogene. Il y aura du café, des lunchs, il y a de quoi passer une bonne journée. Désormais, si on retourne dans le sujet et de la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai précisé, mon nom est Maxime Coquerel, je suis directeur Cloud Security Architecture pour une banque basée à Toronto, au Canada. Je suis également certifié en sécurité, donc plus spécifiquement CISSP, CCSP, CCSK, et j'ai également, vu que je m'intéresse beaucoup à la sécurité de la plateforme Azure, je me suis également certifié sur celle-ci. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des questions pendant la présentation, surtout n'hésitez pas à partager et à poser vos questions, ou même si vous avez des feedbacks que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire dans les commentaires de cette présentation, ou si vous avez des questions après la présentation, je sais que ça arrive souvent, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, juste avec une simple recherche Maxime Coquerel, ou encore me contacter sur mon Twitter, donc @zigmax. Je suis également blogueur depuis 2012, donc ça commence à faire quelques années, je blogue essentiellement sur des sujets qui ont comme thème commun, que ce soit la sécurité de la plateforme Azure, la sécurité de l'écosystème Kubernetes, donc ce sont vraiment mes sujets de prédilection. Je vous invite à consulter mon blog. Juste un petit rappel, toutes les opinions que je vais partager dans cette présentation et tout ce que je vous partage, c'est simplement mon opinion personnelle et ce n'est en aucun cas l'opinion de mon employeur ou de mes précédents employeurs. Avant toute chose, un grand merci à la communauté Microsoft Azure Québec, qui est organisée par Tidjani, Belmansour et moi-même. J'en profite pour vous dire que l'ensemble de nos sessions sont disponibles sur YouTube. Donc, sur YouTube, on a une chaîne avec une simple recherche, Communauté Microsoft Azure Québec. Vous allez trouver notre chaîne YouTube et vous allez pouvoir revisionner l'ensemble des sessions qu'on a pu faire ces dernières années et également la session d'aujourd'hui. J'en profite également pour vous dire qu'on est toujours à la recherche de speakers. Si vous avez envie de partager du contenu qui porte sur l'écosystème Azure, surtout n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez me contacter directement ou contacter Tidjani, ça nous fera un plaisir organiser ça avec vous et de trouver une date afin que vous puissiez présenter pour la communauté. Vous pouvez présenter autant en anglais, autant en français, à votre choix. Ok, l'agenda d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Azure Active Directory. Plus concrètement, on va se mettre dans la peau d'un pentester, donc quelqu'un qui fait des tests d'intrusion, ou encore également dans la peau d'un acteur qui souhaite compromettre une organisation hébergée sur Azure. Donc, on va parler autour d'Azure Active Directory. On va voir ensemble comment c'est possible d'énumérer des comptes ou des comptes et des emails qui sont directement configurés au sein de la plateforme Azure Active Directory. On va voir quelques attaques comme le Password Spring. On va voir comment on peut exploiter des inconsistances dans ce qu'on appelle le MFA, donc qui est le second facteur d'authentification. On va voir également comment il est possible d'utiliser certains outils qui vont nous permettre d'énumérer des services de façon anonyme, des services Azure de façon anonyme. On va voir comment il est possible de scanner des blob storage, de façon à pouvoir trouver des blob storage qui sont directement exposés publiquement sur Internet et qui contiennent potentiellement de l'information compromettante. On va voir également quelques commandes
qu'une personne qui fait des tests d'intrusion peut être amenée à utiliser afin d'énumérer ce qui se passe dans un tenant. On va parler un petit peu de Azure Cloud Shell. On va voir comment il est possible d'extraire un access token depuis Azure Cloud Shell et comment réutiliser cet access token afin de pouvoir continuer d'accéder à la plateforme Azure. On va parler rapidement de Azure Container Registry, de Azure Kubernetes Services, toujours d'un point de vue d'un attaquant. Et puis, on va voir un cas concret avec une machine virtuelle qui est configurée avec des Managed Identity. Et on va voir comment, en se plaçant dans la peau d'une personne malveillante, on peut potentiellement compromettre cette machine virtuelle. On va rapidement parler de Azure Functions et de App Services. Donc j'en profite pour rappeler que cette présentation, c'est vraiment une introduction pour vous familiariser avec le sujet. Si ça vous intéresse, j'organiserai d'autres sessions plus avancées où je porterai une attention particulière à un service et comment, en se mettant toujours dans la peau d'un acteur malveillant, comment une personne peut exploiter ce service. Mon but avec cette présentation, c'est d'essayer de vous partager comment des acteurs malveillants peuvent exploiter vos services, comment ils peuvent exploiter des mauvaises configurations qui peuvent être présentes par défaut sur ces services-là. En aucun cas, je vous incite à utiliser ces techniques contre des souscriptions qui ne vous appartiennent pas. Souvent, j'aime bien utiliser l'adage pour dire un serrurier qui ne sait pas forcer une serrure, pour moi, ce n'est pas forcément un bon serrurier. Eh bien, c'est là un peu la même chose en sécurité cloud. Une personne qui ne sait pas forcément comment utiliser des outils afin de faire des tests d'intrusion et compromettre des services qu'il utilise, ce n'est pas forcément une personne avec un bon background en sécurité. Je pense que c'est toujours important d'avoir des notions de sécurité offensive, surtout si on est du côté défensif où on veut mettre en place des barrières afin de protéger ces acteurs-là. Si vous ne savez pas comment ils opèrent, ben, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des choses en place afin de vous protéger. Donc, une rapide introduction. Donc, ce que je voulais vous partager dans cette introduction, c'est qu'il y a plusieurs types de tests d'intrusion. On parle souvent de tests d'intrusion en boîte blanche. Hein. Vous avez sûrement peut-être déjà entendu parler du white box. Dans ce cas-là, vous avez un full accès à l'environnement. Vous avez même accès à la documentation, l'environnement. Vous travaillez directement, quand vous êtes une personne qui fait des tests d'intrusion, vous travaillez directement avec les personnes qui opèrent cet environnement. Donc ça, c'est vraiment important. Important de comprendre ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, on a ce qu'on appelle en boîte grise, donc en gray box. Vous avez accès à certaines informations sur l'environnement. Par exemple, vous pouvez avoir accès au nom de l'Azure Active Directory, par exemple, ou encore à certaines plages IP. Puis, en fonction des informations que vous allez essayer d'obtenir de l'information, essayer de compromettre l'environnement. Et après, on a ce qu'on appelle donc des tests d'intrusion en boîte noire, donc plus concrètement en black box. Donc là, vous êtes vraiment dans la peau d'une personne malveillante, dans la peau d'un hacker qui essaye de compromettre une organisation. Donc ça, c'est vraiment les trois niveaux que l'on a quand on fait des tests d'intrusion. Et c'est toujours important de se rappeler et de se dire, OK, ben maintenant, je fais mon test d'intrusion, mais je suis dans quel scénario? Donc boîte blanche, boîte grise ou boîte noire. Souvent, concrètement, je vous parle un peu de mon expérience quand je travaille avec des firmes qui font des tests d'intrusion pour nous ou nos équipes internes qui font des tests d'intrusion. Souvent, le test d'intrusion, ce que la personne va chercher, le pen tester, ce qu'il va chercher absolument, c'est trouver une brèche. Et avec cette brèche-là, ça va lui permettre de devenir root de l'environnement. Donc, il va trouver une brèche. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe peut-être potentiellement dans votre environnement 3, 4, 5 brèches différentes. Mais ça, la personne qui fait le test d'intrusion, elle va essayer de trouver la brèche qui va lui permettre d'obtenir le plus de privilèges. Souvent, dans les tests d'intrusion, en fait, on peut ajouter ce que j'appelle des activités additionnelles. Dans ces activités additionnelles, on va retrouver, par exemple, ce que j'appelle Anonymous External Testing, c'est-à-dire que vous êtes dans la peau d'une personne qui ne connaît rien sur l'organisation, il va essayer de chercher des informations sur vos employés en utilisant des réseaux sociaux tels que LinkedIn, par exemple.
ou d'autres informations qui pouvaient être sensibles, qui peuvent être postées sur GitHub, par exemple. Après, également, dans les activités complémentaires, souvent, on peut avoir également des personnes qui font du test d'intrusion, qui vont faire des revues de configuration, qui vont faire des tests d'intrusion internes. Et également, ce que je trouve vraiment intéressant, et ça, c'est, ça se fait de plus en plus, en fait, ces personnes qui font des tests d'intrusion, souvent, une fois que le test d'intrusion a eu lieu, ils vont travailler avec vous sur, sur l'architecture que vous avez en place. Et ils vont souvent, ce qu'on leur demande, en fait, c'est de proposer des options, en fait, pour des plans d'action afin de remédier les potentielles vulnérabilités qu'ils ont pu détecter dans votre plateforme. Et pour ça, ils vont travailler, en fait, avec ce qu'on appelle des threat models. Donc ça, ça va être vraiment des documents, en fait, où on va faire de l'analyse de menaces. Et donc, on va calculer différents paramètres tels que la probabilité, le type de menace que vous pouvez avoir dans vos environnements. Parce que comme vous le savez bien, c'est impossible d'avoir un environnement sécurisé à 100%, ce qui est, je pense, à mon sens, toujours intéressant de faire, c'est de regarder où est-ce qu'on va investir de l'effort, parce qu'on ne peut pas investir de l'effort sur l'ensemble des sujets, mais par exemple, dans votre architecture, vous avez peut-être un composant qui est plus faible que les autres, et peut-être que c'est un composant qui est vraiment critique, et dans ce cas-là, ça peut être stratégique d'investir de l'effort afin de sécuriser ce composant-là en premier et d'avoir un plan d'action. L'idée, c'est vraiment d'avoir un plan d'action étape par étape, et de passer à la seconde étape, bien entendu, quand la première étape est complétée. Donc désormais, si on se met dans la peau d'une personne, d'un acteur malveillant qui veut essayer de vous compromettre, la première question qui va se poser, c'est de se dire « Ah, est-ce que cette personne utilise un Azure Active Directory ? Est-ce qu'il utilise une organisation Office 365 ou encore est-ce qu'il utilise une organisation Azure ?» Et de façon à pouvoir savoir si la personne a un Azure Active Directory actif, Microsoft a gentiment mis à notre disposition en fait un API que vous pouvez utiliser comme dans l'exemple que vous pouvez voir sur mon écran. Avec une simple requête, en fait, vous allez pouvoir déterminer si le domaine que vous testez, okay, est un domaine qui est enregistré auprès d'un Azure Active Directory. Par exemple, dans mon exemple, je teste le domaine zigmaxlab2.onmicrosoft.com et on peut voir que dans le champ namespace type, je reçois une information qui me dit inconnu. Dans ce cas-là, on a la confirmation que le domaine que l'on utilise n'est potentiellement pas utilisé au sein d'un Azure Active Directory. A contrario, dans cet exemple, on peut voir que mon domaine zigmaxlab.onmicrosoft.com, dans le champ namespace type, on obtient la valeur managée. Donc, dans ce cas-là, on a la confirmation comme quoi il y a un potentiel Azure Active Directory derrière ce domaine, derrière cette organisation-là. On peut même avoir certaines informations sur si cet environnement est fédéré ou non avec un ADFS, par exemple. Donc là, on s'est placé dans la peau d'un acteur malveillant. Grâce à cette API, on a pu déterminer de façon anonyme si notre organisation utilise un Azure Active Directory ou non. Donc là, dans notre exemple, on a pu confirmer que le domaine zigmaxlab.onmicrosoft.com est un domaine qui est configuré au sein d'un Azure Active Directory. Donc ça, c'est la première opération. Maintenant, on a la confirmation qu'on a donc un domaine valide. La seconde opération, maintenant, va se dire, OK, il va falloir qu'on essaye de trouver des comptes qui peuvent être valides, c'est-à-dire des comptes qui ont été créés au sein de cette organisation. Pour ça, en fait, on va utiliser un petit outil qui va nous permettre d'automatiser en fait cette recherche-là. Donc, on va vraiment essayer de faire ce qu'on appelle des essais-erreurs. Donc, pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle O365 Scraper, qui va nous permettre de tester des comptes. Et en fonction du username qu'on va essayer, il va nous dire, OK, ben, dans ce cas-là, c'est valide. Dans ce cas-là, c'est invalide. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Je vais revenir après par la suite. Pareil, c'est toujours un API call qui est fait directement sur une des API de Microsoft, en fait, et on va pouvoir tester si le compte existe ou pas. Et si le compte
Si le compte existe, ça va nous retourner un 0. Et si le compte n'existe pas, ça va nous retourner un 1. Ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle organisation. Bon, je vous recommande de le faire sur vos organisations de façon anonyme. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous n'êtes pas authentifié en fait, pour faire ces actions-là. Ce qui est intéressant de comprendre ici, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je trouve que l'utilisateur Maxime travaille bien dans l'organisation zigmaxlab.onmicrosoft.com. Pour ça, moi, je vous recommande d'utiliser simplement des outils tels que LinkedIn. Vous allez pouvoir lister les noms des employés d'une organisation, et la majorité des organisations utilisent le same format nom, c'est-à-dire prénom, point nom, arrobas, le domaine de l'organisation. Donc, avec un outil comme O365 Scraper, vous allez pouvoir tester ça. C'est vraiment très simple à faire. Si vous n'êtes pas sûr du formatage prénom.nom, souvent, regardez la documentation. Souvent, les gens du marketing aiment bien partager leur email un petit peu partout. Avec une simple recherche Google ou Bing, vous allez trouver le formatage. Dans certains cas, ça peut être aussi juste la première lettre du prénom, point le nom. Il y a plusieurs variantes, mais vous allez trouver ça vraiment assez rapidement. Et je précise que j'ai rien contre les personnes du marketing. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'API call qui est fait dans ce cas-là, en fait, c'est une requête de type POST. Et on peut voir qu'on va chercher à interroger l'API login.microsoftonline.com/comment/getCredentialType. Comme je vous l'ai précisé, en fonction du retour qui nous est fait, on va savoir si, dans le cas d'un 0, si c'est un compte valide, dans le cas d'un 1, si c'est un compte qui est invalide. Mais ça, c'est directement automatisé avec l'outil que je vous ai présenté précédemment. Donc maintenant, on est à la phase 3. On sait que notre organisation utilise un domaine Azure Active Directory. On sait que notre organisation, on a identifié des comptes valides au sein de cette organisation-là. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver un mot de passe. Un mot de passe associé à un de ces comptes. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'organisations qui, quand elles ont un nouvel employé, elles vont créer un compte avec un mot de passe par défaut. Et une fois que l'employé va se connecter pour la première fois, on va lui demander de changer ce mot de passe, par exemple. Mais il se peut que ce mot de passe par défaut, ce soit quelque chose qui soit toujours en place auprès de nombreux comptes. Et en fait, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une attaque de type balayage, si on peut dire ça. On va définir un fichier user list avec l'ensemble des différents usernames qu'on aura identifiés des différents comptes qu'on aura identifiés. Et on va tester des mots de passe par défaut. Il y a beaucoup d'organisations qui utilisent comme mot de passe par défaut le nom de l'organisation avec l'année, puis un point d'exclamation à la fin, par exemple. Donc, pour faire cette attaque-là, on va utiliser un second outil, dans ce cas, qui s'appelle MS All Spray. Et donc, dans mon exemple, ici, vous pouvez voir que j'ai défini une liste d'utilisateurs, mon petit fichier userlist.txt. J'ai défini des comptes. Donc, on peut voir qu'on a le compte Alex, Alice, Bob, Paul et Maxime. Tout ça, ce sont des comptes valides que j'ai pu... valider avec l'outil que je vous ai présenté précédemment. Et on va tester, le mot de passe démo meetup 1, 2, 3 avec un point d'exclamation. Et on va tester ce mot de passe-là sur l'ensemble des comptes. Donc là, on peut voir dans la capture d'écran que vous avez donc sur mon slide que ce mot de passe par défaut-là était utilisé avec deux comptes, avec le compte Maxime et avec le compte Alice. On peut voir une différence entre le compte Alice et le compte Maxime, c'est que le compte Alice est configuré avec un second facteur d'authentification, ce qui n'est pas le cas du compte Maxime. Donc là aussi, c'est une bonne pratique de sécurité que je vous encourage à mettre en place, c'est que tous vos comptes cloud, configurez un second facteur d'authentification.
Parce qu'on s'entend que là, je peux directement essayer de me connecter donc sur le portail Azure avec le compte maxime@maxlab.onmicrosoft.com avec le mot de passe par défaut démo meetup 123. Chose que je ne pourrais pas faire directement avec le compte Alice parce que je devrais passer au travers du second facteur d'authentification. Mais là, ce qui est toujours intéressant, c'est que quand un compte est créé au sein d'une organisation Azure Active Directory, ce compte-là peut être utilisé par de nombreux services Microsoft, que ce soit Microsoft Graph API, Azure Service Management API, que ce soit peut-être avec Office 365 et Exchange Web, par exemple, avec ActiveSync. Là, je vous présente un nouvel outil qui s'appelle MFA Sweep, qui va nous permettre de tester notre compte, le mot de passe qu'on a trouvé à l'étape précédente, et on va pouvoir tester ce compte-là. On va essayer de s'authentifier sur toutes ces API. L'objectif, c'est de trouver une API où le second facteur d'authentification n'a pas été configuré, ce qui va nous permettre d'obtenir un accès authentifié. Et une fois qu'on aura cet accès authentifié, on pourra accéder à nos autres services. Donc là, on est à un point, donc toujours en se plaçant dans la peau d'une personne malveillante. On sait que l'organisation utilise un Azure Active Directory, on a trouvé un compte valide sans second facteur d'authentification et on a trouvé un mot de passe parce que ce compte-là, il y avait un mot de passe par défaut qui était configuré. Donc, on en est à ce point-là. Maintenant, si on continue notre prise d'empreinte au sein de cette organisation, toujours, on va essayer en fait d'énumérer l'ensemble des services Azure qui ont été provisionnés et qui sont configurés de façon à être accessibles depuis Internet. Ce qui est vraiment intéressant quand vous créez un service dans Azure, c'est toujours le même DNS suffixe. C'est-à-dire, par exemple, si vous créez une base de données, ce sera une base de données MS SQL, ce sera le nom de votre base, .database.windows.net. Donc, toujours en vous plaçant dans la peau d'un acteur malveillant, vous pouvez essayer de deviner des noms de services qui peuvent être potentiellement directement exposés sur Internet. Par exemple, peut-être que l'organisation a sa base de données qui s'appelle le nom de mon organisation-dev.database.windows.net. Donc là, je vous ai mis l'ensemble des suffixes DNS qui sont disponibles pour la plateforme Azure. Donc, on peut le voir avec les conteneurs registry, les conteneurs instances, que vous provisionnez des services tels que Redis, tout ça, c'est possible. Donc, c'est toujours le même formatage. Donc, un nom que vous définissez, le suffixe de la plateforme Azure présent à l'écran. Donc, en fait, pour automatiser cette énumération de services, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Microburst. Et en fait, il y a une fonction dans cet outil qui s'appelle Enumerate Azure Subdomain qui va vous permettre d'énumérer l'ensemble des services sur un mot-clé spécifique. Par exemple, dans mon exemple ici, j'ai utilisé le mot-clé Zigmax Lab. Ce mot-clé, en fait, ce qui était dans cet exemple, le nom de mon organisation. Et donc, je peux voir que j'ai des services tels que App Services qui sont configurés. Donc, j'ai un App Services qui est configuré avec zigmaxlab.azurewebsite.net. J'ai un Key Vault aussi qui est configuré. Et j'ai aussi un compte de stockage qui est configuré avec ce nom-là. Donc, ça, j'ai pu le trouver de façon automatisée et toujours de façon sans être authentifié sur la plateforme. Donc, ça, c'est aussi vraiment important de comprendre ça. Donc là, on énumère ça de façon non authentifiée. Donc là, vous pouvez voir que dans cet exemple, j'ai utilisé le -base, mais il est également possible de faire des permutations. Par exemple, vous pouvez tester des énumérations en plaçant, par exemple, lab zigmax ou dev-zigmax lab, par exemple.
Et donc, dans ce cas-là, dans l'exemple précédent, on avait identifié qu'on avait un compte de stockage, donc qui s'appelle zigmaxlab.blob.core.windows.net. Donc, c'est un compte de stockage où on a des blobs, du file, queue et des tables. Et là, donc, pour ce blob, du coup, maintenant, on a détecté qu'on avait donc un compte de stockage avec un blob qui était associé, que l'on a découvert précédemment. Nous, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est de trouver, en fait, s'il n'y a pas des fichiers qui sont directement accessibles dans ce compte de stockage-là. Pour ça, on va utiliser une autre fonction de l'outil Microburst. J'en profite pour préciser que l'outil est développé par la société NetSpy et qu'ils ont un très bon blog technique que je vous invite à consulter. Donc, avec simplement la commande invoke-enumerate Azure Blob. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir identifier donc, que l'on a un blob, et le nom de mon blob, c'était ZigmaxLab, parce que j'ai utilisé le mot-clé ZigmaxLab. Et à l'intérieur de ce blob-là, on va pouvoir identifier que l'on a donc un fichier qui est publiquement accessible. Et donc, c'est un fichier qui est dans le répertoire private qui s'appelle credential.txt. Donc là, pour automatiser cette énumération-là, comme vous pouvez le voir, on peut également définir des listes de répertoires dans lesquels on va essayer de trouver si on a des fichiers qui peuvent être accessibles publiquement sur Internet, depuis Internet. Pourquoi ça c'est possible? En fait, parce qu'il y a une mauvaise configuration quand vous créez un storage account. En fait, si vous créez un blob, en fait, ce blob-là, vous avez plusieurs options. En fait, ce blob-là, il peut être directement, il peut être publiquement exposé sur Internet. Et s'il est accessible depuis Internet, n'importe qui sans authentification peut faire ce type d'attaque-là et donc accéder donc aux fichiers que vous avez stockés dans ce blob-là, télécharger ces fichiers-là. Donc, si vous stockez des informations sensibles-là et que votre blob il est directement exposé sur Internet, c'est un peu game over pour vous. Ça, c'est une... vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment courant comme mauvais type de configuration-là? Ça arrive régulièrement, il y a des brèches, que ce soit autant avec la plateforme Azure que la plateforme AWS. Par exemple, avec la plateforme AWS, vous avez un outil qui vous permet également d'auditer en fait ce qu'on appelle les buckets S3, donc l'équivalent des comptes de stockage de la plateforme Amazon, et trouver des S3 qui sont directement exposés sur Internet avec des informations sensibles. Dans Azure, si vous voulez vous protéger de ça, ce qu'il est possible de faire, il est possible de créer ce qu'on appelle une Azure Policy et donc de définir cette Azure Policy en mode deny, c'est-à-dire que vous allez appliquer cette Azure Policy au sein de votre organisation Azure et ce ne sera pas possible, en fait, de créer un blob qui est de type public, qui sera directement exposé sur Internet. Donc maintenant, si on revient à notre exemple, à l'exemple précédent, on avait trouvé, donc notre organisation, elle utilisait un Azure Active Directory, on avait trouvé un compte valide, on avait pu s'authentifier. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, c'est d'énumérer tout ce qui se trouve dans le tenant. Donc pour ça, vous pouvez utiliser que ce soit le Azure CLI ou encore le SDK PowerShell avec des commandes telles que get azvm, vous allez pouvoir lister l'ensemble des machines virtuelles qui s'exécutent. Vous allez pouvoir également lister les key vaults qui peuvent être présents. Mais pour faire ces commandes-là, je tiens à préciser que vous devez être authentifié. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous avez trouvé une identité, un compte qui est valide, vous avez pu vous authentifier. Par exemple, dans l'exemple précédent, on avait trouvé le compte Maxime. Et ce compte Maxime-là, donc, il n'y avait pas de second facteur d'authentification, donc on avait pu se connecter. En se connectant, en fait, on va vouloir, en tant que personne qui conduit une attaque, on va vouloir connaître, en fait, quelles sont les permissions qui sont associées à ce compte-là. Donc, pour ça, vous allez pouvoir utiliser une commande telle que get azrollassignment.
et vous allez pouvoir donc lister les permissions qui sont associées à ce compte-là. Donc là, ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est que ce compte-là, c'est un compte de type contributeur et qu'en fait, il est contributeur directement, donc si vous regardez la ligne scope, directement au niveau d'une souscription. Ça veut dire qu'il est contributeur au niveau de la souscription. Si vous avez des comptes qui sont configurés comme ça dans vos environnements de production, c'est vraiment une mauvaise pratique, hein. Je vous recommande de vraiment d'essayer de suivre ce qu'on appelle le principe de least privilege, c'est-à-dire de vraiment définir le moins de privilèges possible et de vraiment restreindre les privilèges à certaines ressources et non pas à l'ensemble d'une souscription. Mais dans cet exemple-là, le compte Maxime est contributeur sur l'ensemble de la souscription, c'est-à-dire qu'il peut créer des ressources, modifier des ressources, supprimer des ressources. Donc, vous imaginez l'ampleur des dégâts qu'il peut causer. Donc, une fois que vous avez un compte et que vous avez été authentifié, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder du côté de ce qu'on appelle Azure Cloud Shell. Donc, Azure Cloud Shell, c'est vraiment une invite de commande interactive à travers une page web, en fait, qui va vous permettre d'exécuter des commandes au sein de vos souscriptions Azure. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ce service s'authentifie auprès de la plateforme Azure. Et donc, en gros, quand vous lancez un Cloud Shell, par exemple, dans mon exemple, c'est un Cloud Shell de type Bash, vous avez un service d'authentification qui tourne en tâche de fond. Dans ce cas-là, on peut voir qu'en fait, il tourne sur le port 50342. Et ce service-là, il s'occupe en fait de la gestion, en fait, ce qu'on appelle des access tokens, donc des tokens d'accès qui vont vous permettre de vous authentifier. Donc, il s'occupe d'aller interroger l'Azure Active Directory pour dire « Hey, je veux un token, donne-moi un token », et puis aussi de rafraîchir ces tokens-là. Mais si vous êtes un acteur vraiment malveillant et que vous avez accès au Azure Cloud Shell, vous pouvez extraire cet access token-là et vous pouvez après utiliser cet access token-là directement pour faire d'autres calls sur la plateforme Azure, mais pas forcément depuis le Azure Cloud Shell. Par exemple, ça peut être depuis votre laptop directement. Oui, vous pouvez faire ça. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'un simple call sur l'API management.azure.com. Et avec ce call-là, en fait, on va lister l'ensemble des souscriptions. Et pour ça, on aura utilisé l'access token que l'on aura extrait depuis le Azure Cloud Shell. Donc ça peut être assez intéressant, surtout si vous avez des organisations où vous savez, par exemple, le conditional des conditional access policy qui sont configurés, qui vont vous demander de vous authentifier que depuis une certaine adresse IP, que depuis un certain type de laptop. Donc, vous allez avoir une quantité de paramètres qui peuvent être mis en place de façon à dire, OK, on authentifie que des gens, que des personnes que l'on trust, si on peut dire ça. En utilisant cette technique-là, en extrayant l'access token depuis un Azure Cloud Shell, tant que ce token est valide, vous allez pouvoir bypasser ce conditional access policy. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, quand je dis vous allez pouvoir bypasser cet access conditional policy-là, c'est même si vous avez ce qu'on appelle une policy où vous définissez ce qu'on appelle le IP requester, qui va être l'IP source qui va être utilisée, par exemple, qui peut être que l'adresse Internet IP publique de votre organisation pour accéder à la plateforme Azure. Avec cette technique-là, ça va complètement bypasser. Et puis, vous avez aussi, si vous avez simplement créé votre souscription Azure rapidement, puis vous avez commencé à provisionner des accès à vos utilisateurs, par défaut, l'ensemble des utilisateurs peuvent accéder au portail d'administration Azure. Ça peut être dangereux, honnêtement, si vous avez, par exemple, une fédération d'autant, vous avez un Azure Active Directory, un Active Directory on-prem, vous avez de la fédération qui est configurée, vous avez peut-être des comptes au sein de votre Active Directory où vous ne voulez pas forcément qu'ils accèdent au portail d'administration Azure. Parce que simplement, même avec un compte reader, vous allez quand même
pouvoir avoir accès à pas mal d'informations. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en avant à travers ce slide-là. C'était une des façons que vous pouvez utiliser afin de restreindre l'accès au portail d'administration. J'ai écrit un article à ce sujet-là. Je vous invite à le consulter. Et donc, dans mon précédent exemple, je vous disais, ce qui peut être dangereux aussi, c'est même des gens qui ont simplement des permissions de type reader, de type lecteur. Par exemple, si quelqu'un a une permission de type reader sur une Azure Container Registry, comme vous pouvez le voir dans mon exemple, il peut faire un pull, donc c'est-à-dire il peut télécharger l'ensemble des images sur son laptop, l'ensemble des images de votre Azure Container Registry, et puis commencer à explorer le contenu que vous avez stocké dans ces images-là. Si vous avez stocké des informations sensibles, ce qui est une très mauvaise pratique, dans vos images Docker, il peut aussi regarder ça, extraire ça, parcourir ça, essayer de trouver de l'information qui peut être sensible, que ce soit des tokens d'API, par exemple, et utiliser ça à votre encontre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous créez une container registry, vous avez la possibilité d'utiliser soit des identités qui viennent de votre Active Directory de votre Azure Active Directory pour accéder donc à votre registry Azure, mais également en fait vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle un compte local au sein de l'Azure Container Registry, donc un admin user. Et donc, en utilisant cet admin user-là, vous avez un compte local au sein de la registry Azure. Et si ce compte local est activé, qui est un compte admin, une personne avec des permissions de type contributeur, comme la permission qui était configurée sur le compte Maxime qu'on a vu précédemment, va pouvoir extraire ces mots de passe-là. Les mots de passe qui sont définis. Et pour automatiser l'extraction des mots de passe de services tels que Azure Container Registry, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment un cas spécifique sur Azure Container Registry avec ce cas de local account, si on peut dire ça. Mais vous avez également des local accounts dans d'autres services tels que les App Services, tels que les Automation Accounts, par exemple. Donc, pour extraire ces informations-là, ce compte local admin de l'Azure Container Registry, on peut utiliser toujours une autre fonctionnalité de l'outil Microburst avec la fonction getAzPassword-ACRY. On va pouvoir extraire le mot de passe. Et donc, après, vous allez pouvoir utiliser ce mot de passe-là si la registry est directement exposée sur Internet, ce qui est le cas par défaut. Avec une configuration par défaut, vous allez pouvoir accéder donc à la registry Azure, vous allez pouvoir modifier les images qui sont stockées, puis vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes vraiment malicieux, vous modifiez une des images, vous allez mettre quelque chose de malveillant dans l'image, et vous allez simplement attendre que cette image elle soit poulée depuis un cluster Kubernetes, par exemple, et comme ça, vous allez avoir votre contenu malveillant qui va s'exécuter au sein du cluster Kubernetes, ça peut vous donner également un potentiel accès pour compromettre un cluster Kubernetes qui peut être existant dans l'organisation. Également, quand vous créez un cluster AKS, donc un cluster Kubernetes managé dans Azure, une fois que le cluster est créé, vous pouvez faire un API call en fait, qui va vous permettre en fait, de récupérer les informations qui sont liées à votre configuration, à la configuration du client que vous allez, à la configuration du client kubectl que vous allez utiliser pour interagir avec votre cluster Kubernetes si c'est un cluster public. Donc vous allez pouvoir récupérer ces informations-là, donc et mettre ça dans votre fichier kubeconfig. Pour automatiser donc cette extraction et pas faire le call d'API manuellement, ce que vous pouvez aussi faire avec une simple commande curl, je vous ai mis l'extrait du code. Vous pouvez aussi le faire de cette façon-là, mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez utiliser toujours la même fonction de l'outil Microburst, getAzPassword, avec le paramètre AKS, et ça va vous permettre d'extraire ces informations-là. Voilà, je vous ai mis un exemple des paramètres d'authentification d'un cluster Kubernetes que vous pouvez extraire. Puis là, dans ce cas-là, bien sûr, c'est le compte cluster admin. Donc ça, c'est assez dangereux.
Pareil, par défaut, quand vous créez une Azure Function, vous avez un compte de stockage qui va être provisionné avec l'Azure Function que vous allez créer. Et dans ce compte de stockage-là, vous avez un fichier qui s'appelle host.json. Et dans ce fichier-là, vous allez avoir également des access keys pour votre Azure Function qui sont disponibles. Donc, quelqu'un comme mon utilisateur Maxime, avec des permissions contributeurs, il va pouvoir facilement identifier, se dire, oh là, j'ai un conteneur qui s'appelle azure.webjob-secret, il y a un fichier host.json, je vais pouvoir extraire ces informations-là parce que j'ai des informations sensibles qui touchent mon Azure Function. Et puis, ce que je trouve vraiment intéressant également, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, c'est que du coup, dans Azure, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des services principaux. Et en fait, les services principaux que vous allez créer, vous allez pouvoir leur définir une date d'expiration. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'utiliser le moins possible des services principaux et plus des ce qu'on appelle des managed identity dans ce cas-là. Mais vous allez pouvoir donc également, une fois qu'un service principal est créé, il est possible que depuis quelques mois, et la fonctionnalité est uniquement en preview, de définir des conditional access policy pour les services principaux. Mais si ça, ce n'est pas fait, parce que pour ça, vous devez avoir un Azure Active Directory de type P2 pour pouvoir mettre cette conditional access policy en place sur vos services principaux, vous pouvez utiliser ce service principal depuis n'importe quel point d'accès Internet, que ce soit depuis un café, un Starbucks ou encore depuis votre accès Internet personnel pour extraire des informations auxquelles le service principal aurait accès. Ça, c'est vraiment intéressant de se rappeler qu'il n'y a pas de conditional access policy qui est par défaut et défini pour les services principaux. Donc, vous allez également pouvoir utiliser ce service principal pour vous authentifier, donc avec un simple AZ login, et vous allez spécifier le service principal et son mot de passe, vous allez pouvoir vous authentifier. Et donc, je vous ai dit, l'autre bonne pratique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des Managed Identity. L'objectif des Managed Identity, c'est d'essayer d'utiliser le moins possible des services principaux. Et en gros, qu'est-ce qu'une Managed Identity ? C'est que votre machine virtuelle, en fait, elle va directement être inscrite au sein de l'Azure Active Directory et vous allez pouvoir assigner des permissions à cet objet-là qui est votre machine virtuelle. Donc, on a vraiment deux types de Managed Identity, ce qu'on appelle les System Managed Identity et les User Assigned Managed Identity. Dans notre exemple, on va se focaliser sur les System Assigned Managed Identity. Donc, dans cet exemple, on a une machine virtuelle qui s'appelle Max01 sur lequel une System Assigned Managed Identity a été configurée. Et pour vous donner un peu de contexte, en fait, cette Managed Identity-là, elle est configurée de façon à pouvoir accéder à un Key Vault. C'est-à-dire qu'il y a que cette machine virtuelle-là qui peut accéder au Key Vault pour aller récupérer des mots de passe. Là, je vais vous présenter un autre outil qui s'appelle Lava. C'est un framework de sécurité pour Azure qui va nous permettre en fait, de lister l'ensemble des machines virtuelles qui s'exécutent dans notre souscription, d'identifier pour quelle machine virtuelle une Managed Identity est configurée. Donc, dans cet exemple-là, on peut voir qu'on a deux machines virtuelles. Une machine virtuelle qui s'appelle Mac00 qui tourne sous Windows pour laquelle aucune Managed Identity a été configurée. Mais on a également une autre machine virtuelle qui tourne sous Linux qui s'appelle Mac01 pour laquelle une Managed Identity a été configurée. Et puis, c'est une Managed Identity de type System Assign. Donc ça, on a extrait ces informations-là avec une simple commande exec vmlist. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir en fait que les permissions qui sont associées, on va pouvoir extraire les permissions qui sont associées à cette Managed Identity-là. Donc là, l'objectif, quand on est un attaquant, c'est de trouver en fait une machine virtuelle ou un service qui utilise des Managed Identity pour lesquels en fait un haut niveau de permission a été défini. Dans ce cas-là, on peut voir en fait que les permissions qui sont associées sont des permissions qui ont été associées directement au niveau de la souscription et de type owner. C'est-à-dire qu'on va devenir carrément propriétaire de la souscription si on est capable de compromettre
de compromettre notre machine virtuelle. Donc ça aussi, c'est encore un autre exemple de mauvaise configuration. Puis ce que je tiens à rappeler, c'est qu'on a commencé sans connaître l'Azure Active, sans connaître si notre organisation utilisait l'Azure Active Directory. On a trouvé un compte, on a identifié que le compte était valide, on a réussi à trouver un mot de passe par défaut, on a réussi à s'authentifier. Les permissions initialement qui étaient définies pour ce compte-là, c'était des permissions de type contributeur. Toujours avec notre compte, on a pu utiliser donc Lava pour lister les machines virtuelles au privilège. On a trouvé une machine virtuelle qui s'appelle Mac01 pour laquelle une Manager Identity avait été configurée. Puis là, on peut voir en fait que le rôle qui est associé à cette Manager Identity est un rôle de type owner, de type propriétaire, et que le scope de cette Manager Identity là est carrément la souscription Azure. Donc ça, c'est vraiment un exemple parfait de mauvaise configuration. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous avez des droits de type contributeur ou supérieur, vous pouvez utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Run Command, qui fonctionne autant sous Windows que sous Linux et qui va vous permettre en fait d'exécuter des commandes directement dans votre machine virtuelle. En fait, quand Microsoft provisionne des machines virtuelles pour vous, en fait, il les provisionne avec un agent. Et il y a un agent qui est installé au sein de ces machines virtuelles. Et donc, vous, en fait, l'API Microsoft en fait va interagir directement avec cet agent pour lui dire hey, j'ai une commande à t'envoyer, exécute ma commande. Sauf que l'agent en tant que tel en fait il s'exécute avec des privilèges qui sont vraiment élevés, parce que dans une machine virtuelle en fait l'agent il s'exécute en tant que root. Et donc la commande que vous allez pouvoir définir en fait et que vous allez vouloir exécuter va s'exécuter en tant que root. Donc autant dire que avec un niveau de privilège type contributeur, en fait, vous avez carrément accès à l'ensemble des machines virtuelles et vous pouvez rentrer dans les machines virtuelles et exécuter les commandes que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et donc pour automatiser cette action-là, soit vous pouvez utiliser la fonctionnalité Run Command directement depuis le portail Azure, ou toujours avec l'outil Lava, vous allez pouvoir utiliser la fonction exec VM RCE pour Remote Command Execution. Et donc, vous allez pouvoir définir le ressource group dans lequel la machine virtuelle s'exécute, le nom de la machine virtuelle, et après, vous allez pouvoir saisir des commandes. Donc là, pour vous donner un exemple, j'ai simplement saisi pour ma machine virtuelle Mac01, qui est une machine virtuelle Linux, la commande Who am I, et on peut voir en fait que la commande s'exécute en tant que root, quoi. Je suis root quoi, dans la machine virtuelle. Donc ça, c'est toujours pour vous dire, faites bien attention. Quand vous définissez des permissions dans le portail Azure, les conséquences peuvent être vraiment importantes, parce que c'est pas parce que la personne elle peut avoir le rôle contributeur et utiliser une fonctionnalité telle que Run Command pour gagner directement un accès à l'intérieur de votre machine virtuelle. Et donc, ce qui est également possible de faire, là, si vous êtes vraiment malveillant, on a identifié notre machine virtuelle qui s'exécute avec un Manager Identity de type Owner. Nous, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est extraire l'access token que cette Manager Identity utilise pour s'authentifier de façon à pouvoir usurper son identité et après pouvoir faire, depuis notre laptop, faire des calls directement sur l'API Azure. En fait, une fois que vous, avec la fonctionnalité Run Command, vous allez pouvoir simplement en fait faire un call sur le metadata endpoint de la machine virtuelle et extraire l'access token. Un petit peu comme ce qu'on a fait avec l'attaque contre le Azure Cloud Shell. Donc là, voilà, je vous ai fait un exemple. On a extrait précédemment l'access token et après, en fait, avec une simple commande curl depuis mon laptop, en fait, je vais pouvoir réutiliser ce token-là, cet access token, pour usurper l'identité de la machine virtuelle de façon à pouvoir faire des commandes en utilisant l'identité de la machine virtuelle. On s'entend que l'identité qui avait été définie, les permissions associées, c'était des permissions de type owner avec un scope qui était la souscription. Donc, en gros, on devient complètement admin de la souscription. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de commandes qu'il est possible de faire. Donc, dans ce cas-là, là, je ne fais rien de dangereux. Là, je ne fais que simplement lister les ressources groupes que l'on a dans notre souscription. Puis comme je vous l'ai précisé tantôt, c'est possible de le faire directement depuis le portail. Ça fonctionne également
sur les machines de type Windows, et vous pouvez voir en fait que les commandes qui s'exécutent, elles s'exécutent en fait en tant que système avec la avec le rôle NT Authority slash System. Donc c'est assez assez dangereux. Dites-vous que vous êtes root partout. Un autre point auquel je voulais attirer votre attention, quand vous créez une machine virtuelle, par défaut, cette machine virtuelle, en fait, le disque qui est créé, en fait, quand vous allez dans les paramètres networking, il est créé avec une configuration de type public endpoint, c'est-à-dire que il est possible, en fait, de générer un lien pour exporter ce disque-là. Ça, c'est un lien qui est valide. En fait, vous pouvez définir le temps pour lequel le lien est valide. Donc, en gros, ça vous génère un lien SAS, comme vous pouvez le voir dans ma capture d'écran. Et puis, donc, vous pouvez utiliser ce lien-là pour directement télécharger le VHD, donc le disque virtuel de votre machine virtuelle. Donc, en gros, si vous souhaitez exfiltrer l'information, c'est quand même assez simple de votre organisation. Vous pouvez simplement déposer vos fichiers sur le disque, générer ce lien SAS et utiliser ce lien SAS pour depuis un autre accès Internet qui n'est pas filtré pour télécharger ce VHD, puis simplement monter ce VHD sur votre machine Windows ou au sein d'un hyperviseur Hyper-V et extraire les informations que vous voulez. Là, je vous présente un autre outil rapidement qui s'appelle PowerZure, en fait, qui va nous permettre en fait d'automatiser cette génération en fait du lien SAS. Et donc dans ce cas-là, en fait, dans cet exemple-là, on va générer un lien qui est valide 24 heures. Et puis, il n'est pas possible de définir des restrictions sur ce lien-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de définir une source IP sur ce lien SAS. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui a le lien peut télécharger le disque dur virtuel de votre machine virtuelle Azure. Rapidement, également sur les App Services, quand vous créez une App Services, en fait, vous avez une fonction qui s'appelle Get Publish Profile. Puis dans cette fonction-là, vous allez avoir en fait les comptes locaux qui s'exécutent au sein du App Services que vous allez pouvoir utiliser pour déployer votre code. Et donc, vous pouvez déployer votre code avec des façons assez obsolètes telles que FTP, par exemple. Et là, vous allez voir en clear text le username et le mot de passe. Donc, si vous avez des permissions qui vous permettent de simplement cliquer sur Get Publish Profile, vous allez pouvoir extraire le code qui se trouve dans l'ensemble des App Services. Et encore mieux, vous allez pouvoir modifier le code de façon à pouvoir mettre du contenu malveillant. Donc, bien sûr, si vous voulez automatiser l'extraction de ces mots de passe-là, toujours la même fonctionnalité que je vous ai présentée tout à l'heure avec le get AZ password de l'outil Microburst. Dans ce cas-là, on utilisera simplement le paramètre App Service. Donc, pour résumer rapidement, je vous ai présenté plusieurs tools. Je vous ai présenté un tool qui s'appelle Lava. Lava qui nous a permis en fait de lister les machines virtuelles qui s'exécutent dans notre souscription Azure, d'identifier quelles machines virtuelles avaient des hauts privilèges, qui avaient une manager identity associée et puis qui avaient quels étaient les privilèges associés à cette manager identity. On a pu voir un autre tool qui s'appelle Microburst, qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un outil qui est vraiment, vraiment complet avec des fonctionnalités qui nous ont permis d'extraire des mots de passe, que ce soit autant pour Azure Container Registry, les App Service AKS. On a vu également MFA Sweeper qui nous a permis de tester notre compte. Dans notre exemple, c'était le compte Alice, de façon à voir si le compte, s'il y avait une API qui était disponible pour laquelle on pouvait s'authentifier avec le compte Alice sans le second facteur d'authentification. On a vu MSL Spray pour faire nos attaques de balayage, pour tester les mots de passe par défaut sur les comptes pour lesquels on avait pu valider s'ils existaient ou non avec l'outil O365 Creeper. Et puis, on a vu également une des fonctionnalités de l'outil PowerZure qui nous permettait de générer un SAS link pour télécharger un disque virtuel de notre machine. Puis, si vous voulez en savoir plus, je suis également l'auteur de cours et enfin de contenus de formation qui sont disponibles sur la plateforme LinkedIn Learning en français, si vous souhaitez vous former en français.
Donc pour ça, je vous invite à consulter mes cours. Si vous avez un abonnement premium, c'est gratuit. Donc j'ai créé des cours sur la sécurité, les réseaux, le stockage, sur l'infrastructure as a service dans Azure. Si vous avez des commentaires, des feedbacks, si vous souhaitez avoir d'autres cours sur des contenus plus spécifiques, je vous invite vraiment à me contacter. Ça me fera plaisir de prendre le temps de vous répondre. Je vous ai mis quelques ressources importantes, le blog Azure Security Blog, la communauté, le contenu technique de la communauté Microsoft, mon blog et bien sûr le channel YouTube de la communauté Azure Québec où cette présentation sera postée. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi si vous êtes en Amérique du Nord sur la côte ouest et une excellente soirée si vous êtes en Europe. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup. À bientôt.